Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous nous suivez en ce moment. C'est votre humble serviteur Yannick Magonda qui vous parle de cette émission La Voix des Révélés. Cette émission qui vous permet d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et qui vous aide à être mûr dans votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps. Nous allons prier pour débuter ce moment. Seigneur Dieu, merci. Reçois la gloire car c'est toi le Dieu qui nous aime. Nous te confions ce moment, sois avec nous, édifie ce qui nous suit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes dans notre émission, La Voix des Révélés. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, l'importance de parler en langue et la prophétie. L'importance de parler en langue et la prophétie. Nous savons bien que pour trouver cela, nous allons nous référer sur la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, versets 2 à 5. Vous allez voir, on nous parle d'inspirer à des dons spirituels, de parler en langue, tout ça, des prophéties. Maintenant, nous allons commencer par les premiers points pour donner un peu la différence entre le parler en langue et la prophétie. C'est quoi parler en langue? Parler en langue, c'est un don naturel de s'exprimer dans une autre langue qu'on n'a pas apprise. Je reprends, parler en langue, c'est un don surnaturel de s'exprimer dans une autre langue qu'on n'a jamais apprise. C'est encore un miracle que le Seigneur a utilisé pour fonder son Église. Et nous pouvons dire encore pour la troisième que c'est aussi parler à une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise. Pourquoi j'ai défini de trois manières? La première manière, j'ai dit que c'est un don surnaturel de s'exprimer dans une autre langue qu'on n'a jamais apprise. Notre personne pense que parler à langue, c'est seulement dire « bah, non, non, non ». Parler en langue, c'est parler à une autre langue. Mais les gens doivent comprendre que les ba, si Dieu t'inspire de parler ba, ce n'est pas mauvais. Si tu parles aussi anglais, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé l'anglais à leur vie, mais quand l'Esprit du Seigneur les saisit, ils parlent en anglais. D'autres personnes parlent en chinois, d'autres personnes parlent à Kikongo, d'autres parlent à Lingala. Donc, c'est de parler en langue. Vous allez comprendre que dans une église, quand le Seigneur touche une personne, la Bible dit que s'il n'y a pas un interprète, que la personne qui parle la langue puisse se taire. Pourquoi? Parce que quand une personne parle la langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et personne ne comprend le langage de Dieu. Quand tu parles la langue, personne ne te comprend. Si c'est un message que le Seigneur veut que tu puisses communiquer à l'église, tu dois le parler avec un interprète à côté. S'il n'y a pas un interprète, là, tu dois seulement parler à langue pour toi-même. Car on dit que celui qui parle la langue parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Donc c'est ça, parler la langue. Tu parles à une langue que toi-même tu ne comprends même pas. Tu parles la langue, un langage spirituel. Car c'est un langage que Dieu a utilisé pour opérer des miracles, pour fonder l'Église. Donc je suis contre ceux-là qui disent que parler en langue, c'est seulement parler à une langue que tout le monde comprend. Non. La langue, personne ne peut le comprendre. La langue qui est communiquée par l'esprit. Vous allez voir une personne parler. Ce n'est pas seulement baba comme on dit. Parce qu'on n'apprend jamais à parler en langue. Si une personne te dit que je vais t'apprendre à parler en langue, c'est un menteur. Il n'est pas de Dieu. Car le parler en langue, c'est seulement Dieu qui le communique par son Esprit Saint. Vous allez voir dans l'église, quelqu'un parle en anglais. L'autre parle en chinois. Maintenant, quand il y a des interprètes en ces lieux, celui qui comprend l'anglais ou encore le chinois, il sera aussi saisi en esprit. Ils vont aussi interpréter pour bénir l'église. Là, c'était en langue. Maintenant, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est un langage aussi spirituel. Qu'un prophète reçoit un message venant de Dieu. Maintenant, la prophétie édifie l'Église. Mais parler en langue, seulement sans interprète, édifie seulement la personne qui parle la langue.
Mais celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Mais celui qui prophétise, il parle à l'Église. C'est pour cela que nous disons que la prophétie, quand une personne prophétise, il édifie l'Église. Mais celui qui parle la langue, s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Donc, c'est ça. Donc, vous devez comprendre cette différence. Celui qui parle la langue, il parle à Dieu. S'il parle la langue, une personne interprète, il parle aux hommes. Mais la personne qui prophétise, il édifie l'Église et il parle à tout le monde. Donc cette différence, vous devez les retenir. Ça vous fera du bien. Vous allez comprendre des choses par rapport à ça. Je compare par la langue avec la prophétie. C'est comme un arbre avec la racine. Les racines, c'est parler la langue. C'est des choses qu'on ne voit pas. C'est caché. C'est le langage de Dieu. Et le langage de Dieu est toujours codé et caché. Mais la prophétie, c'est l'arbre, les troncs, que tout le monde voit. Quand on prophétise que tu vas aller de la voie à de l'avant, ou encore répands-toi, que le Seigneur te dit que si tu ne te répands pas, tu auras des problèmes. Cela, c'est la prophétie. Ça édifie l'Église. Donc, il y a trois manières, comme je dis. Quelqu'un parle la langue, il parle à Dieu. Il peut parler un langage que personne ne comprend. D'autres langues, il parle en chinois, en français, en anglais. L'autre encore, c'est un miracle que Dieu utilise pour bénir son Église. Mais l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit des préférences. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse parler en langue. Mais vous devez encore souhaiter pour la prophétie. Parce que la prophétie, tout le monde comprend. Mais la langue, tout le monde ne comprend pas. Parce que ce sont des mystères que la personne fait sortir de sa bouche à travers l'inspiration du Saint-Esprit à lui. Donc c'est ça l'importance des deux. Donc celui qui prophétise n'est pas plus grand. Comme on dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Il est plus grand que celui qui parle la langue parce que quand il prophétise, la personne comprend directement. Il ne passe pas au canal d'une autre personne. Mais parler en langue, quand une personne parle la langue, il faut qu'il y ait un interprète. Cet interprète va interpréter ce que Dieu parle à travers le parler en langue. Mais vous devez comprendre, la prophétie, tout le monde l'écoute. Les sorciers écoutent la prophétie. Les démons, tous les méchants, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, écoutent la prophétie. Mais les parler en langue, personne ne l'écoute, seulement Dieu. Car c'est un langage spirituel, un langage de Dieu, un langage divin. Donc tu dois le désirer dans ton cœur. Tu dois désirer de parler en langue pour que tu puisses faire sortir des mystères de ta bouche. Tu dois les souhaiter parce que Dieu, c'est Dieu qui le fait. Que nous puissions aussi parler en langue. Pendant la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur est descendu comme un vent impétueux. Et tout le monde parlait à une autre langue. Et les gens les comprenaient selon leur langue. Les gens se limitent seulement là. Comme les gens les comprenaient selon leur langue, c'est-à-dire que c'est seulement qu'ils parlaient seulement chinois, français et tout. Non. Comme je vous ai expliqué, parler en langue, c'est un langage divin. Donc, tu parles à Dieu. D'autres, ils parlent en français, chinois, la langue qu'il n'a jamais apprise. Et une personne interprète. J'ai béni le Seigneur parce que vous êtes bénis en suivant cette émission La Voix des Révélés. Je pense qu'on se verra dans une autre émission que nous allons encore vous parler des choses de Dieu. Je demande, je prie que celui qui est dans les besoins de parler la langue là où il est, que le Seigneur Dieu t'accorde cette faveur, cette grâce, que tu sois baptisé par l'Esprit pour que tu parles un langage spirituel. Je te pose une question. Désirais-tu de parler seulement aux hommes ou de parler à Dieu? Car celui qui parle, qui prophétise, il prophétise pour les hommes, pour l'Église, pour que les gens les comprennent. Mais celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Maintenant, toi, tu désires quoi? Parler seulement aux hommes ou parler à Dieu? Donc, tu dois désirer les tout. Tu prophétises et tu parles aussi en langue. Et cela sera bénéfique pour toi et pour l'œuvre de Dieu. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse, car le Seigneur Dieu vous aime beaucoup. J'ai dit maintenant à celui qui désire cela,
qu'il puisse fermer ses yeux là où il est et je vais prier pour lui. Seigneur, je prie. Ta parole déclare ta main n'est pas courte pour toucher, ni pour Père la vie, Seigneur, nous faire sortir du gouffre des malins. Laisse que Père la vie, Seigneur, la personne qui désire de parler en langue, maintenant par ton Esprit Saint, que tu puisses, Père la vie, les toucher et qu'ils soient communiqués par ta présence, qu'ils parlent en langue, que sa langue s'ouvre et qu'ils puissent parler langue, Père la vie, spirituelle, qu'ils puissent parler les langues, Père la vie, langage, Père la vie, divin, pour Père la vie, le bien de l'Église et pour son propre devenir. Car Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu qui nous aime. Reçois la gloire, je te rends grâce. Car tous ceux qui m'ont suivi, maintenant, ceux qui désiraient les parler en langue, maintenant, ils vont les parler. Je te glorifie pour la vie, Seigneur, car tu l'as fait. Tu es merveillé. Seigneur, merci d'avoir ouvert plusieurs dons dans la vie de ceux qui nous ont suivis en ces moments. Que ton nom soit glorifié, nous te rendons grâce. C'est par le nom de Jésus, nous vous disons bye. On se verra dans notre prochaine émission.